Cette île juste là, c'est l'île à Johnny Depp. Quand il est sur son île, il met un drapeau de pirate, ça a l'air, sur la plage pour dire qu'il est là. Mais là, le drapeau, il est pas là. Okay. Bye, Johnny Depp! On est arrivé à l'aquarium. Ça n'a pas l'air de grand chose d'en haut, mais en bas, je sais que c'est fou. Oh. Les voisins, les plus proches, comme le on br... était le manger, là. Comme... De proches, hein? Il y en avait beaucoup, aussi. Moi, j'en ai eu juste. Il venait vraiment proche, hein, Lou? On vient de quitter le parc, on s'en va à Oxville, aller voir la fameuse Vicky Beach. C'est pas vraiment Vicky Beach, là. C'est nos amis qui l'appellent Vicky Beach, mais elle a pas de nom. On l'appelle comme ça. Okay, regardez comment la mer est calme. C'est fou. J'ai rarement vu ça aussi calme, ça. Amy. Je fly le drone. Une émotion là, c'est... Je sais pas si ça vous arrive vous autres, mais nous à bord de Tipeee, ça arrive quand même assez souvent. Puis c'est juste fou. Dans le fond, si tout d'un coup, on dirait que ça s'empare de toi, puis tu prends conscience de ma vie, où je suis en ce moment, qu'est-ce que je suis en train de faire, puis comment que ça me rend heureuse. Puis, des fois, c'est des éléments déclencheurs vraiment banals, mais cette fois-ci, c'était la chanson de Armin van Buuren, qui s'appelle Wild Wild Sun. Alors, c'est fou là. À la fois, c'est Armin qui parle à son gars, qui souhaite, dans le fond, de réaliser ses rêves, qui dit quand tu vas être là où tu dois être, tu vas le savoir. Va vers tes rêves, dans le fond, c'est ça qu'il dit. Parce que lui, Armin, c'est un des DJ les plus connus au monde. Et clairement, il réalise son rêve. Là, fait qu'il souhaite à son enfant que lui aussi, il réalise son rêve. Il lui explique que quand il va y être, il va le savoir, il va le ressentir, qu'il est en train de le vivre son rêve.
C'est le message que j'aimerais transmettre à mes enfants, t'sais. Quand ton parent réalise ses rêves, c'est plus facile d'enseigner à tes enfants puis de transmettre comment vivre leurs rêves, t'sais. Peu importe c'est quoi leur rêve, c'est pas important. Mais si mes enfants m'arrivent un jour qui me disent « c'est ça mon rêve, c'est ça que j'ai envie de faire », je vais les pousser dans cette direction-là puis je vais leur donner les outils. Puis je pense que je suis déjà en train de leur donner les outils pour qu'ils sachent quoi faire et comment y parvenir. Que je l'espère. Je pense que tout parent espère transmettre ça. Puis tu sais, je le ressens que je suis là où je dois être. C'est aujourd'hui, on navigue de Shroud Cay à Nassau. Je suis en plein milieu, tu sais, on voit rien alentour, là. On voit pas d'île. Pat fait une sieste parce qu'il n'a pas bien dormi. Mes enfants, Loïc fait des Legos, la petite a fait son école. On écoute la musique, on chante, puis c'est, en tout cas, fait que cette émotion-là est montée, puis c'est sûr que la toune, elle déclenche ça presque à chaque fois, là, mais c'est fou. Puis ça, on dirait que ça monte, puis ça vient chaud en dedans de moi, puis ça me... C'est fou. C'est vraiment fou. En tout cas, je vous souhaite, si ça vous est pas déjà arrivé, ben faites des changements dans votre vie pour que ça vous arrive, parce que c'est vraiment magique. On a fait 39 000 nautiques en 6h33. Il nous en reste 17 à faire. Donc, il nous reste environ 3 heures. On va au loin de Nassau. Nous, on s'en va à l'ouest de Nassau. Avec nos yeux, on le voit, mais la caméra, sûrement, on ne voit pas encore. On a notre première tournade en navigation. Magnifique tournade! Ouais, là, ça, c'est son nuage, là, celui-là ici. Ce qu'on a décidé de faire, on voyait qu'il se dirigeait le vent, pousse le nuage vers nous. Fait que nous, on a augmenté la vitesse un peu, on a changé de cap pour pouvoir pogner la queue qu'il y a ici et non pas être en dessous de ça ici. Fait que ça, c'est en train, où ce qu'il y avait la tornade, c'est là. Fait que c'est en train de passer en arrière de nous. Puis s'il avait fallu qu'il s'en vienne vraiment sur nous, on aurait changé de cap complètement et on aurait descendu vers le sud pour laisser passer cette cellule orageuse parce qu'elle pourrait recréer une autre tornade. Fait que, on a bien géré pour notre première, mais c'est le fun, on a étudié, là, tu sais, on savait jamais à quoi s'attendre, mais là, plus que ça va aller, plus qu'on va comprendre son déplacement, puis c'est vraiment le fun. Le vrai thème pour cette tornade sur l'eau est trombe marine. Selon Wikipédia, une trombe marine est une colonne d'air mélangée d'eau en rotation, formant un entonnoir nuageux. Ces phénomènes de micro-échelle se forment lorsque les conditions sont instables, alors que l'air froid passe au-dessus d'eau chaude. La vitesse des vents associés peut dépasser les 100 km/h. Se produisant pendant la journée, elles peuvent former des groupes de deux ou plus, durer jusqu'à 20 minutes et avoir des diamètres d'une vingtaine de mètres. On a fait 48 000 nautiques en 8 heures. Là, on arrive dans 1h30. On arrive dans la Clifton Bay à Nassau. C'est ici qu'on s'arrête pour une bonne nuit de sommeil et demain matin, on repart très tôt. On a une bonne fenêtre météo pour continuer vers le nord. On vient de mettre la ligne à l'eau, puis 5 minutes après, ça mord. Je sais pas si on a un poisson, Véro, Aril. En fait, c'est ça le trésor. Je sais pas, ouais. Il y a ici. Notre premier poisson! Ok, attention. C'est un barracuda. Wow, tu conduis ton auto.
vois même pas en avant. Juste ses côtés. C'est champignon pour aujourd'hui, là. Ah, on est rendu à combien de mille nautiques? 64. 64? Ouais. Il en reste 50. Wouh! Peut-être plus que la moitié? Ouais. On baigne. Ça fait 12 heures qu'on navigue, je pense. Ouais. Il en reste 8 heures. On est parti ce matin, le soleil se levait, puis là, on avait encore, puis le soleil se couche. Ça fait quelques heures. Puis on est presque arrivé, il reste environ 5h30. On pense arriver vers 1h du matin environ. Les enfants étaient tranquilles. Là, ils font dodo dans mon lit. Ouais, maman. Allô! Ils viennent de se coucher, ils ne dorment pas encore. Ils vont dormir bientôt. Il y a pas ça. Tu fais? J'ai sorti de mon trou de marmotte. Ton trou magique? Oui. Mmh. Attends, il y a une autre marmotte qui écoute. Il y a une autre marmotte? Hé, où l'autre marmotte? Elle s'en vient. Ah, allô? Qu'est-ce que tu fais? On est des petites marmottes. Vous êtes bien dans mon lit? Oui. On va faire des beaux dodos, ça. Buenas noches! Bye! On est parti à Clifton Bay, à l'ouest de Nassau. On a traversé tout ça. On est rendu là. On est dans le Great Bahama Bank. On a terminé notre navigation cette nuit à 2h. On est arrivé en pleine noirceur. On a fait le cut à noirceur tout, on s'est ancré. Ça a super bien été. On a fait 102 000 nautiques en 19h30. Notre plus grosse nave jusqu'à ce jour. Puis là, ce matin, Pat fait ses check-up dans le moteur, comme d'habitude. Il a découvert que le chef a encore ressorti. Ben oui, notre chef. Il est encore sorti parce que ça, dans le fond, ça rentre dans le coupling. Puis quand on va de l'avant, il n'y a pas de problème parce que la pression pousse le chef à l'intérieur. Mais c'est quand on recule, quand on met à l'ancre, que là, il veut sortir. C'est des petites vis comme ça qui rentrent de travers dans le coupling qui vont à côté dans le chef. Les grooves dans le chef sont pas assez profondes. Fait que ce que ça fait, c'est que le chef, il veut sortir. Puis là, un matin, j'ai vu qu'il était encore sorti. Fait que là, j'ai réussi à le rentrer sans avoir à plonger en dessous de l'eau, en cognant dessus. Puis là, les vis sont tellement vieilles qu'elle a strippé. Parce que je voulais la revisser assez fort, elle a strippé, je l'ai senti qu'elle était en train de tordre. Genre non. J'ouvre mon coffre d'outils, la première vis que je pointe, c'est exactement celle-là qu'on a de besoin. Fait qu'on est vraiment chanceux. Puis en plus, elle a la groove qu'il faut pour aller s'accoter dans le fond pour pas que le chef y sorte. Fait que là, on va réparer ça. Qu'est-ce que tu fais toi pour t'occuper durant les navigations? Je fais de l'architecte. Je lis un livre. Je regarde les balles. C'est pas mal le fun. Tu fais quoi en ce moment? On a réparé le moteur. Petit Wim qui dort. On s'en va à Gunky nourrir les. Wendy est rendue qu'elle saute du voilier dans le dinghy parce qu'elle veut absolument venir dans nos aventures, mais des fois on se dit qu'elle doit regretter parce que elle était un petit peu mouillée. Il y a un gros nuage qui est passé avec les vents sont levés et tout, puis okay, on a décidé de tourner de bord. Mais ici, finalement, au voilier, il n'est même pas mouillé. Le nuage était ouvert en plus. On a appris, on va toujours les fermer parce que le temps est tellement incertain. Il pleut fort, Wendy? Le pipi d'or? Non, maman. Il est 3h40 du matin. J'ai assisté à un plus gros orage que j'ai vu de ma vie, en fait. Là, pour l'instant, c'est juste de la pluie. Mais il y a vraiment eu beaucoup d'éclairs, beaucoup de tonnerre. On savait qu'il s'en venait. Il était censé avoir des rafales à 30. On a vu des rafales à 44.
sur notre instrument. J'ai vraiment une pensée spéciale pour mes amis qui sont dans l'autre voilier. Ils sont sur l'autre côté de l'île. Donc, ils ont vraiment le vent en face. Nous, ce matin, on a changé de place pour venir se protéger parce qu'on savait que ça s'en allait. Donc, on s'est protégé l'autre côté de l'île pour comme ça, on n'a pas le vent direct et la houle directement sur nous. Mais eux, ils n'ont pas changé de côté parce qu'ils ont essayé. Puis, les vagues étaient vraiment impressionnantes. Puis, au moment où on a essayé de traverser, il y avait du 44 nœuds de vent. Donc, ça fait quand même peur. Ils ont tourné de bord. Nous, on a continué parce qu'on savait que c'était juste 15-20 minutes de pas le fun. Donc on a continué, puis on est venu se protéger, on est vraiment mieux ici. Mais j'ai vraiment pensé pour eux parce qu'ils doivent pas triper en ce moment-là. Parce qu'ils sont vraiment la houle et le vent direct d'en face. Puis ils ont un petit bateau moins pesant. J'ai vraiment pensé pour eux. C'est fou comment on se sent en sécurité. Dans notre voilier, tu sais, il pleut, là, il est vraiment fort. Là. Vous l'entendez sûrement. Puis, mais c'est tout est sec à l'intérieur. On sait que notre delta est accroché dans le fond, puis elle nous tient. Tu sais. Puis, c'est vraiment cool que notre voilier nous protège comme ça. Tu sais. Peu importe les intempéries, il est là pour nous, puis il nous garde en sécurité. Je vais essayer de retourner fort debout. Explique-moi donc, premièrement, pourquoi tu es toujours en boxeur? Parce qu'en débat à mort, c'est toujours chaud. Fait que c'est un running gag, là. Je suis tout le temps en boxeur. Là, c'est quoi tu fais? Là, on va enlever notre drapeau de Bahamas parce que la saison se termine. Il était temps qu'on l'enlève parce que regardez. Il reste plus grand chose. Là, on va mettre notre drapeau jaune parce que demain matin, 5h du matin, on lève l'ancre. Direction États-Unis, Fort Lauderdale. C'est une nave d'environ 55 000 nautiques. Là, comme ça, on va pouvoir rentrer aux États-Unis. Ils vont savoir qu'on arrive de l'étranger. Mais ce qui est formidable, c'est qu'avec l'application CBP Roam, ouais, on a déjà tout fait ça en ligne. C'est vraiment facile. Regarde Wendy ce qu'elle fait. Wendy, elle m'aide à faire le nœud du bas. C'est ça qu'elle fait. Barman, j'aimerais un rhum. C'est parti, ma belle amie. Un rhum jus d'ananas. On l'a fini aujourd'hui, elle meurt. Eh boy. Cadeau de nos amis Ola. Merci Ola. Boum. T'as pris ce trou-là. Ta-da-da. C'est prêt. Si. Cheers, gang. Qu'est-ce qu'on fait demain, Loïc? On fait la nave. Oui, on traverse quoi? Souviens-tu? Non. On traverse le Gulf Stream. Le Gulf Stream. Puis là, il nous reste-tu beaucoup de bouffe? Quand même. Quand même? T'es généreux. Vas-y, montre-nous ça. Montre-nous ce qu'il nous reste de bouffe. Moi, je pense qu'on était dû pour traverser là, parce qu'on n'a plus rien. Il nous reste ça. Du riz, ok. C'est pas mal. Y'a rien. Ah, là, il est complètement vide. Il nous reste combien de rouleaux de papier toilette? Un rouleau de papier toilette. Pour 4 personnes. On arrive aux États-Unis demain. Ouais. Oh boy, hein? On a de l'huile puis 3 cannes. Celui-là, on a un gros sac de bine noire puis un sac de farine. Ouais. Ok, on peut faire du pain en masse. Du pain, des crêpes, du riz, des hamburger steak. Ouais. Parce qu'on les avec les bines noires. C'est vrai, on est capable de se débrouiller encore, mais on a réussi à quand même averager des bonnes provisions pour les Bahamas. Mais là, on sait en tabarouette qu'est-ce qu'il va falloir pour les Caraïbes. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui se garde mieux, qu'est-ce qu'on a besoin. On va être mieux équipé. Mais on s'en est bien débrouillé. Ouais, quand même. Ouais. Là, on voulait plus remplir aux Bahamas parce que ça coûte une fortune. C'est le trip. Ouais. Aux États-Unis, c'est cher. Même si c'est en US, c'est pas cher. C'est ça exactement. Okay, non, c'est deux rouleaux. Deux rouleaux de papier toilette. 4,50 genre. Deux rouleaux. Un pot de ketchup, 7$. C'est cher au bout des Bahamas. On a quelques surprises pour vous qui seront diffusées prochainement dans nos vidéos. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche. On aimerait également remercier nos Patreons qui nous supportent chaque semaine. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à créer du contenu sur YouTube. Dans le prochain épisode, on traverse le Gulf Stream. Oh, nana, ça va être go, nana! Ah oui, j'ai vu sauter! Woo!
Ouais. À la prochaine. Ah, pourquoi je vous suis toujours dans vos aventures? Je vais me servir de maman comme parapluie, ouais! C'est la dernière fois que je viens en dinghy. On n'a même pas vu les raies. Je suis toute mouillée pour rien.